Vous êtes sur kezako.com. La leçon d'aujourd'hui traite les chiffres et les nombres. Les nombres sont des adjectifs. Beaucoup de personnes commettent des erreurs en les écrivant. Regardez, par exemple, le nombre qui est écrit sur la page, 2800. Qu'est-ce qui s'accorde? Qu'est-ce qui ne s'accorde pas? Eh bien, on retournera tout à l'heure après avoir fait le rappel. Alors, à retenir. Premièrement, les nombres sont invariables. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ils sont invariables. Alors, ce qu'il faut retenir également, lorsqu'on écrit des nombres composés d'une dizaine et d'une unité, entre les deux, entre les dizaines et les unités, on met un tiret. À l'exception, cependant, de 81. Alors, on mettra 4-20-1. Ou bien aussi 71. Donc 60 et 11. Bien. Maintenant, le deuxième cas qu'il faut voir, c'est le cas de 20 et 100 et qui y fait l'objet de beaucoup d'erreurs. Alors, regardez la vidéo. Qu'est-ce que nous avons sur la page? 80 jours. 88 jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, tout simplement, il faut mettre un S pour le premier. Donc, ici, 80 jours, c'est multiplié. On va mettre un S. Le deuxième, non. Il est suivi d'un autre nombre, donc on ne mettra pas d'S. Il ne s'accorde pas. La même chose pour 100. D'ailleurs, ici, j'ai déjà mis le S. 700 kilos. Alors, le S, pourquoi? Parce que c'est multiplié. Donc, lorsque 100 et 20 sont à la fin du nombre, ils s'accordent. Lorsqu'ils sont suivis d'un autre, ils ne s'accordent pas. Donc, ici, ça c'est une règle générale. Passons à la troisième situation, c'est le cas de 1000. Alors, 1000 est invariable. Qu'il soit multiplié par 3, par 4, il est invariable, il ne prend jamais d'ess. Il faut s'en rappeler. Donc, 7000 dirhams, 18000 euros. Donc, 1000 ne change pas. Alors, regardons ici le nombre qui est affiché. On a 3482. Alors, 3000, donc 1000 ne s'accorde pas. 100, est-ce qu'il va s'accorder ou non? Non, il ne s'accorde pas. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il est suivi par 2. Donc, il n'y a pas d'accord. Bon, maintenant, vous allez me demander, vous pouvez vous demander le cas de milliards. Donc, milliards, millions. Alors, milliards et millions sont des noms. Et donc, les noms s'accordent automatiquement. Donc, ils varient. Les exemples, 2 milliards de dirhams, donc milliards, on mettra S, et millions, on mettra S également. Ce sont des noms, toujours, donc il y a l'accord. Qui est-ce qui ne s'accorde pas? C'est 1000. Bien, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez retenu la leçon. À la prochaine vidéo sur kezako.com, bien sûr.